Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel entraînement et un entraînement au niveau des anneaux. Vous avez juste à me suivre, les amis. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais vous guider de A à Z. Donc, on est parti. Alors, juste avant de monter sur les anneaux, on va se faire un tout petit échauffement au niveau des épaules. Donc, vous allez partir ici avec les bras écartés. On va fixer nos épaules derrière. On va faire des petits ronds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de haut en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On fléchit, on tend. 1, très bien. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, coude à 90, 1, très bien, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 vers le haut, 1, très bien, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, on descend et on remonte. 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, on grandit, et on relâche. Ok, donc là, les anneaux sont à peu près donc, au niveau de mes hanches, donc le bas des anneaux au niveau de mes hanches. Donc on va les prendre, donc je vais vous les laisser les régler donc comme moi. Et ensuite ce qu'on va faire, on va venir devant, étirer un petit peu au niveau de nos épaules et ensuite revenir. Très bien, on revient devant et on étire, on laisse tomber la poitrine. Ok, ça fait deux, on va en faire cinq. Ici, on laisse tomber la poitrine. Trois, parfait. Allez, je laisse tomber la poitrine. Quatre, ok. 5, on descend, maintient. Très bien, relâchez bien au niveau des épaules. Ça doit bien étirer. Ok, on va venir sur l'arrière. Ici derrière. Ok, et on revient. Allez, deuxième. Derrière, on étire. Et on revient. Ok, troisième. Et on revient. Allez, quatrième. On revient. Et la dernière, allez, on maintient, 2, 3, 4 et 5. Donc là, étant donné qu'on a les coudes qui sont bien tendus, on échauffe nos coudes, notre sollicitation donc est assez importante sur les anneaux au niveau de nos coudes, donc c'est quand même assez important. On va maintenant se faire un petit travail au niveau des poignets, donc on va venir se mettre donc au sol et on va venir faire des quarts de rotation. Donc là, je suis ici, on va faire ici. Là, on ouvre, on revient dans la position, on vient devant et on va sur l'intérieur. Très bien, on est reparti. Ok, à chaque fois, essayez de bien déporter votre poids sur l'épaule pour lever ensuite l'autre main, pour libérer l'appui. Très bien, on rentre, ok, et on revient. Super. Les poignets fermés. Ici. Devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On repasse à plat et on va venir monter comme ceci. 1, très bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 et 10. Ok. Ok, donc on est parti. Premier exercice, on va faire un maintien donc à l'appui. Donc on va remonter un tout petit peu les anneaux parce qu'en fait, il ne faut pas toucher donc les pieds au sol. Donc là, moi, je vais les remonter légèrement. Donc essayez de voir, de faire en sorte que vraiment les anneaux soient à la même hauteur. Hein. C'est super important pour ne pas être déséquilibré. Donc là, voilà, là, je suis bon. Ok, on est parti. Allez, on va tenir 10 secondes en essayant de bien ouvrir les anneaux et bien se redresser. Allez, c'est parti. On ouvre. 1,
2, 3, 4, 5, c'est ça, 6, 7, 8, 9 et 10, on récupère. Alors là, j'ai accroché mes anneaux sur une barre fixe, donc c'est légèrement, il y a un peu de souplesse en fait au niveau des anneaux. Et puis il queen un petit peu, donc désolé pour le son, c'est peut-être pas très agréable. Allez, deuxième série, on est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on serre, et 10. Ok, on récupère. Donc là, plus vous allez serrer les anneaux proches du corps, plus ça va être facile. Hein. Donc ça, c'est vraiment très important. Ne venez pas écarter vos anneaux. Donc je les serre et je les ouvre. Le fait de ouvrir les anneaux, ça a sollicité encore un peu plus nos épaules. Allez, dernière série, on est reparti. On y va. 1, 2, 3, on se redresse. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on relâche. Ok, donc là on a fait notre appui, maintenant à faire un petit peu de suspension. Donc je pense que pour certains ça fait un petit peu peur, mais ne vous inquiétez pas, allez-y vraiment progressivement. Donc là on va se mettre comme ceci et on va venir monter tout doucement. Ok, donc si ça pour l'instant c'est compliqué et que ça bouge, vous restez comme ça. Si vous vous sentez, vous pouvez donc allonger les jambes pour vraiment être complètement à la chandelle. Allez, on va maintenir 10 secondes. Donc on se prépare. Là, j'ai les coudes qui sont fléchis. Et ensuite, je déplie et je tiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 10, je reviens. Ok. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude, hein, ça peut peut-être bouger. C'est normal, hein. Prenez confiance donc, avec ce type d'exercice. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas tomber sur la tête. Les anneaux, c'est vraiment solide. Et ensuite, c'est à vous de bien tenir. Donc faites vraiment quand même attention. Vous pouvez rester fléchi dans un premier temps. Donc cette fois, on va repartir. Moi, je vais le faire fléchi avec vous. Ok? Allez, on est parti. Ici, je fléchis et on reste. 1, 2, 3, 4. Vous pouvez essayer de déplier 5, 6, 7, 8, 9. Et 10, on revient. Ok, on relâche. Il nous reste une troisième série. On se replace. Ok, je fléchis les bras. Et on est reparti. Allez. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Très bien, on récupère. Donc ça peut monter un petit peu à la tête pour certains qui n'ont pas l'habitude justement d'avoir la tête en bas. Et plus vous allez en faire, et plus vous allez vous habituer. Ok, donc ensuite, ce qu'on va faire, on va complètement baisser donc nos anneaux. Voilà. Donc là, je vais les baisser. Super. Et on va partir sur un exercice de poussée. Donc on va se faire des pompes. Allez, je descends l'autre. Faites pareil, hein. Essayez d'être en même temps que moi, comme ça. On est vraiment sur le même rythme. Passer. Ok, là on est bon. Donc là je remonte pour pas me prendre l'accroche ici, sinon ça fait un petit peu mal. Donc là ce qu'on va faire, donc vous allez écarter légèrement les jambes. Si vous êtes trop serré au niveau des jambes, vous n'allez pas avoir un bon appui. Ok, donc là j'écarte au niveau des jambes. Très bien, donc là j'ouvre mes anneaux. On va descendre ici, donc en pompe. Et sur la fin, on va remonter en serrant les pecs et en serrant les anneaux. Ok, donc la contraction volontaire des pectoraux est assez importante sur la fin de mouvement. Donc si l'angulation est trop compliquée pour vous, vous pouvez très bien avancer les anneaux. Ok, on va faire 10 répétitions, c'est à vous de voir. Il faut les tenir les 10 répétitions. Donc si vous sentez que c'est trop compliqué sur la fin, j'avance les anneaux et je fais ici. Ok, et ensuite j'ouvre. Vous êtes prêts? Allez, on écarte légèrement les jambes. C'est parti. Allez. Et 1. Et 2. Très bien. 3. 4. Allez. 5. Inspire. Et tu souffles. 6. Allez. 7. 8. 9. Et 10. Ok, on récupère. Donc n'hésite pas, hein, à avancer si c'est trop compliqué.
Ça, c'est vraiment toi qui gères. Ok, relâchez déjà au niveau des bras. Donc là, je pense que vous sentez une bonne sollicitation au niveau de vos triceps, au niveau des pectoraux. Comme je vous ai dit, essayez en fin de mouvement de bien ouvrir les anneaux pour essayer de resserrer vos pecs et les contracter pour bien ressentir le recrutement musculaire. Allez, on se replace. J'ouvre ici. Allez, on descend. Et 1. Et 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Ok, on récupère. Donc vous avez vu que les anneaux, c'est assez mobile. Donc vous devez garder votre gainage. C'est vraiment super important. Si vous relâchez au niveau du ventre, attention au bas du dos parce que ça peut des fois vous créer des petites tensions. Donc soyez bien gainé sur tout ce que vous faites. Il nous reste une troisième série. Donc on va fonctionner vraiment par trois séries. Ok? Allez, on se replace. J'écarte légèrement les jambes. Je suis gainé. Je resserre les anneaux. On y va. 2, je garde la tête droite, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, 9, n'hésitez pas si c'est compliqué, la 10e on l'a fait ici, et 10, ok, très bien, on va remonter les anneaux. On va les remonter à peu près au niveau de nos hanches. Ok. Donc là, étant donné que sur les sangles, j'ai des marques, c'est assez facile à ajuster. Si vous n'avez pas de marque sur les sangles, vérifiez bien à chaque fois que c'est vraiment bien à la même hauteur. Donc, prochain exercice, on va se faire un tirage. Donc, on va venir donc comme ceci. Donc là, je lève mon bassin et ensuite on va venir tirer. Donc même chose, si c'est trop compliqué, quand on est à la verticale du point d'accroche, reculez pour que ce soit plus simple. Ça, c'est vous qui voyez. Ok ? C'est vraiment en fonction de votre niveau. Le but, hein, c'est vraiment que vous arriviez à trouver ce qui vous convient sur 10 répétitions. Allez, on est parti. En bas, on y va. 1. Allez, on resserre vos plates. 2. 3. Ok. Allez. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Ok. On récupère. Donc là, on sollicite notre dos. Ok. En même temps, on a les biceps qui sont aussi sollicités. Donc vraiment, essayez de vous focaliser sur la fixation au niveau de vos omoplates à chaque fin de mouvement. C'est super important. On récupère encore un petit peu. Pareil, ajuster au niveau des anneaux. Plus je recule, plus c'est facile. Plus je suis à la verticale de mon point d'accroche, plus c'est difficile. Allez, on se replace. On y va. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je contrôle un peu la descente, j'explose, 7 dans la montée, 8, allez c'est bien, 9 et 10. Ok, je récupère. Dernière série, il nous reste. Après on a fini sur ce type d'exercice. Ok. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Quels sont vos ressentis? Je serais assez curieux de savoir ce que vous en pensez. C'est vraiment important aussi pour moi de voir un peu l'évolution en fonction de chacun. Allez, on est reparti pour une autre série. Et ce sera la dernière. Allez, on y va. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4, et 5,
et 6 et 7 et 8 et 9 et 10. Ok, on récupère. Très bien. Donc maintenant, on va lever un tout petit peu plus nos anneaux. On va remettre donc les anneaux avec le bas des anneaux au niveau de nos hanches. Très bien. Ok. Et donc là, on va venir donc en avant. Et on va venir descendre les coudes. Et ensuite, on pousse ici. Ok. Essayez de vraiment amener les coudes bien derrière pour essayer de bien solliciter vos triceps. Ok, donc on est parti. Gardez toujours aussi votre gainage. C'est vraiment très important. Ok. Allez, on y va. On descend et on pousse. 1, 2. Là, je me suis vraiment beaucoup incliné. C'est un peu trop facile pour moi. 4. Donc, je recule un peu. 5. 6. Gardez votre gainage, serrez les fesses et poussez le bassin devant. 7. 8. 9. Et 10. Ok. Donc là, étant donné que les anneaux sont assez loin, ici, on a une grosse, grosse sollicitation au niveau de nos abdos. Donc quand je vous dis de pousser votre bassin vers l'avant, c'est super important. Parce que si vous relâchez, vous allez mettre en tension votre bas du dos et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Ok? Donc là, abdos et triceps, ça bosse à fond. On est reparti, donc c'est pareil, c'est vraiment vous qui gérez au niveau de l'angulation. Donc plus je suis ici, plus c'est facile. Plus je reviens à la verticale, plus c'est difficile. Allez, on se replace, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Allez, récupérer. Il nous reste une dernière série sur les triceps. Ça commence à vraiment congestionner. Hein. C'est vraiment une super sensation de pouvoir justement bosser avec les anneaux. Donc, dernière série. On est parti. Allez. 1. 2. 3. 4. 5, 6, 7, serre bien les coudes, 8, 9 et 10. Ok, super. Les anneaux, on ne les touche pas, ils vont rester exactement pareil. Donc là, on a sollicité nos triceps, maintenant on va solliciter nos biceps. Donc attention, cet exercice est un tout petit peu complexe à comprendre. En fait, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se remettre dans la même position que ce qu'on a fait donc, pour les tractions australiennes. Donc, on va se mettre ici. Et ensuite, en fait, on va ramener donc, nos anneaux derrière la tête. Ok ? Donc là, en même temps que je fais ça, mes coudes, en fait, ils vont remonter. Et mon corps remonte en même temps. Il ne faut pas venir faire un tirage. D'accord ? Donc, pareil, là, plus on va reculer, plus ça va être facile pour nos biceps. Plus on va être au-dessus de nos points d'accroche, plus ça va être difficile. Allez, on y va, on se place. C'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Ok, très bien, on récupère. Là, on les sent bien, les biceps. Hein. Je sais pas vous. Ok. Relâchez bien. Il nous reste deux séries. Après, on a terminé. Allez, on se replace. C'est parti. 1. 2. 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 et 10. Ok. Petit point important que j'ai pas vu avec vous. Si vous accrochez vos anneaux sur un arbre par exemple et que le point d'accroche est différent entre les deux anneaux, vous allez avoir un léger décalage lorsque vous allez reculer vos anneaux. Donc essayez de trouver quelque chose d'assez droit pour éviter le décalage lorsque vous allez reculer au niveau des anneaux. Donc voilà, moi je suis sur une barre fixe ici. Vous arrivez à trouver soit une poutre ou une barre pour accrocher vos anneaux. C'est vraiment le meilleur moyen pour être bien équilibré entre nos deux appuis. Dernière série les amis. On est parti. Allez, on se place et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et ben voilà les amis, petite séance terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, c'est toujours un plaisir de partager cette passion pour les anneaux. Moi, depuis que j'ai l'âge de 6 ans, je pratique la gymnastique, donc j'étais déjà dessus quand j'étais petit. Et cette année, je me suis vraiment focalisé à fond sur la musculation aux anneaux. Le panel d'exercices est vraiment illimité, c'est ce qui est vraiment chouette. D'ailleurs, si ça t'intéresse et que tu veux aller un petit peu plus loin, je propose des programmes personnalisés sur les anneaux pour développer ta masse musculaire et bien évidemment prendre de la force. Donc n'hésite pas à me contacter via mon site internet qui est dans le lien de description. En tout cas, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Si la vidéo t'a plu, tu mets un petit j'aime. Et nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel entraînement. Ciao les amis. Prenez soin de vous.